On est parti sur la troisième game de Skarner AP Support pour vous montrer que c'est jouable. Hein. C'est de l'émeraude diamant où on joue. Donc pour vous dire quand même que normalement ça va être jouable dans la plupart de vos games. Et surtout que la situation, le pick, je ne le maîtrise pas non plus parfaitement. Vous voyez faire quand même pas mal d'erreurs. Mais vous voyez quand même que le délire, le pick a quand même une certaine puissance. Il y a un certain potentiel sur le pick. Là, on est sur une botlane hyper agressive. Ignite Exhaust, Dark Harvest, Déluge de l'âme. Alors que nous, on joue Comet et Tempo Mortel. Avec Karthus et Pyke, c'est quasiment, je pense, une des botlanes qui pourra faire le plus de dégâts. Donc ça va nous faire un peu peur. Bon, on va voir un peu comment on va pouvoir s'exprimer. Je pense qu'on a un assez gros burst sur une transition level 2. Donc il faut qu'on arrive à prendre la transition level 2. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 mêlées. Et je pense que c'est des champions que si j'arrive. En fait, je sais pas si mon R passe à travers le wall de Yasuo, si il se fait cancel par Yasuo. Si c'est le cas, je vais juste exploser mon clavier durant cette partie. Parce que je vais press R et le mec il va wall et je vais faire alors que si ça fonctionne, je vais pouvoir choper le mec derrière. Faut voir comment c'est codé. Est-ce que c'est un projectile mon R ou est-ce que c'est vraiment genre en mode un truc qui spawn? C'est un projectile, je vais exploser mon clavier. Allez, on va bot lane, nous on se met bien. Tant qu'on ne se fait pas grap, tant qu'on kite bien, on est fine. Pour rappel, niveau rune, on joue comète, transcendance. Ruban de mana, brûlure, Kuba et chasseur ultime. J'essaie juste de me trouver des petits temps d'avancement. Mes coups de mana sont assez faibles, donc ça c'est toujours hyper agréable. Voilà, je tank le Q qui vient de me caler. Ok, il m'aggrappe. Ça retouche, parfait. Bon, plus de flash. J'avais un instant pris le E pour aller le charger. Très belle transition. Là, il faudrait, je pense, je peux trap ici. S'ils prennent le push, regardez ce qu'ils vont faire. Je vais communiquer mon CD. Voilà le respect! Ça va être complexe de te faire crash là, ouais, frérot. Ouais, j'arrive. J'avais pas de dégâts sur les creeps. Ok, j'avais pas de data, excusez-moi. Parfait. Qui savait que ça avait pas de dégâts sur les creeps? Voilà. Parfait. Pixel! On est en 2-1 au bot. Dommage que la Tristana s'est pris les Q de Karthus un peu bêtement. Bon, c'est pas grave, on start Luden, on n'oublie pas, très bon item en début de partie. Ça me donne de la mana pour pouvoir spammer mes sorts, ça va me donner de la CDR, ça va me donner du burst. Tout ce qu'on cherche avec mon champion. Donc elle a le jump, elle peut se casser. Hein. Voilà, elle a fait un très bon trade DPS, en tout cas félicitations à elle. Elle va jouer là, j'ai une pink. Au mid, est-ce que je pourrais pas me permettre d'y aller? J'ai mes boss, je vais aller mid lane. Alors j'ai essayé de passer par derrière. Faut juste pas qu'il push. Plus flash. Parfait. Alors j'avais essayé de l'ignite, elle est. Ah non, j'avais pas mon ignite. Ok, ça me fait revive en plus. Parfait, je prends la haste, on décale. Est-ce qu'il a re un kill? Dommage. Et Karthus s'est fait tuer. On fait du 2 pour 2. On a tué la mid lane. Il joue TP donc il va récupérer la wave. Ça va être broken. Ça vient de Lucaris à lane. Sur il TP. Il récupère toute une wave. Il va choper 6 CS de plus. Il aura la transition level en plus en permanence. Ça veut dire un level dans League of Legends c'est 500 gold de value. Donc ça va être vraiment hyper cool. Je te ping ça là et je ward de l'autre côté. Comme ça j'aurai l'information quand est-ce qu'il arrive. Il y a peut-être un monde où je reviens gank. Parfait. Moi bon, je vais pas t'aider plus à push, je pense que t'es fine. Je vais juste te prendre la vision sur le côté pour pas que tu te fasses niquer par le Graves. Je peux pas charger. Oh non! J'ai voulu essayer! Non, je grid!
Ah, c'est terrible. La gridance, chat. L'ignite. Putain. Dommage, my bad. Bon, j'ai un peu grid. Je suis que niveau 3, j'ai créé beaucoup trop de roaming. Après, j'ai aidé à participer à 4 kills. Donc la value est là. Dans tous les cas, vous avez quand même un petit côté de limit testing. Ça peut être très intéressant ce qu'elle fait. Elle pourrait rejump. Alors, elle avait totalement le kill si elle faisait un rejump. C'est un peu dommage. Non! Il est juste à côté l'autre. T'as pas le rejump? Ouais, dommage. Ulti Cartus. On est vraiment très greedy. Hein. En fait, il faudrait juste que je passe niveau 6, je pense. Je vais essayer vraiment de créer beaucoup de jeux au mid. Vous avez les décalmides que je possède? Ça, c'est vraiment une très grande puissance que je possède. What? Elles ont what? Bah oui, mais t'es con. Est-ce qu'il a reçu son shield? Non, il l'aura pas. Au top, je vais pas pouvoir me permettre forcément de m'exprimer. Oh, je pourrais m'exprimer au top. Vas-y, je vais tenter. C'est Ballsy. Bon, il est mort. Ok, je vais pas aller. Cartus malfaisance. First item malfaisance, no boots. Ok, j'arrive là. Je lui communique ce passing. Il faut qu'elle vienne. Ok, je dois flash out, dommage. Je sais pas ce qu'elle fout la Diana. T'arrives à créer du jeu toi ou pas? Non, dommage. Je vais faire le grand tour, je me suis fait avoir deux fois ici. Le Graves, je pense qu'il est rebot side en plus. Donc ça c'est terrible. Tristana elle a all-in normalement, on va pouvoir y aller. Parfait! Je vous ai dit que ça allait passer! Putain, quand j'ai un ADC qui follow up, vous avez vu comme c'est broken? Allez, on va se régaler avec des plates. Dès qu'on a un LC qui follow up, c'est broken. Donc là, on a déjà participé à 6 kills dans la partie. On a participé à 60% des kills. C'est assez intéressant. Je suis arrivé à récupérer la plate. Je vais juste lui montrer un peu du respect à lui. Bam. Allez, coucher. Oh putain, ce que ça a mis. Plaquage! Non, ça joue à rien! Ça joue à rien! Ça joue à 0,2 secondes, j'allais avoir mon Z et je le tuais! Oh, ça joue à rien! J'avais tout dodge, frérot, il m'a DPS durant 14 secondes, j'avais trop bien joué! J'avais trop bien joué! Ah, j'avais trop bien joué! C'est pas la gridance, j'étais obligé, je pouvais pas fuir! Oh, j'ai un kill! Non! Oh, non, chat! Non! Oh la dégale. Vraiment il meurt pas. Imagine il est trop con. J'y espérais. Non. Oui, merci. Oh, cette game, les gars. Cette game! Faudrait pas jouer ça. J'ai quand même le ward en stimpier. Oh, cette game, les gars, elle est lunaire. Oh, Tristana, c'est si close. Ouais, elle l'a eu. Faudrait jouer ça, non? J'ai tellement envie d'y aller.
tellement envie de le plaquer, frérot. Oh, mais attends, s'il active son AOE. Oh là là, c'était beaucoup trop stylé. C'était beaucoup beaucoup trop stylé. Ah, si quelqu'un veut clip ça, régalez-vous. Alors régalez-vous chat. Oh, le scanner les gars, il est là. Hein. Mais même avec n'importe quel champion, tu joues Nunu. Tu joues Nunu, tu ramènes 3 personnes dans l'ultime. Imagine. Laissez-moi la clip. Alors, au top, comment ça se passe? Elle est en 4-1. On peut jouer à tourelle si tu veux. Petit con. Oh le mec, je l'ai ramené. Frérot, comme je l'ai ramené, par contre, y a un mec là, c'est pas possible comme il me joue. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais. Allez, bam, je te baise. Tu pensais pouvoir me tuer au R? Eh non, j'ai flash out. Allez, on peut le faire revive, les gars, si c'est pas beau ça. Oh mon dieu. Yes, oh. Il faut faire un choix, les gars. Oh, oh c'est trop drôle. Oh, c'est beaucoup trop drôle à réaliser. Tu crois pouvoir toucher mon pote? Tu te prends pour qui? Allez, couchez vous deux. Petit shield. Parfait. Je l'ai pas frappé? Son attaque speed est assez lente, à vrai dire, à caster. Oh, dommage. Première loupée. Première loupée en 3 games. J'ai essayé de le surprendre. Ça n'a pas fonctionné. Couché! Oh mais toi tu vas voir toi. Bam! Après maintenant toi là-bas. Bam! Allez on continue. Qui à qui le tour? À qui le tour? À qui le tour? Hein? Regardez-moi je te cut sur le côté! Vous allez voir le respect, je vais vous le donner, moi. Un gosse MDR, un gosse avec son jouet. Mais toi là, viens par là. Oh, ce que je lui ai pris. Attends, je crois que je lui ai cancel son R. Oh, le pic est broken. Hein. Oh, le pic est broken, sa race, les gars. Oh mon dieu! T'as pas vu cette action? Eh bah appuie sur clip et tu vas voir. Alors, est-ce que je le remets?
Allez, couché, toi. Couché! Allez, un de moins. Oh, dommage. Non! Oui! J'étais en casting time de Q, donc je pouvais pas Z. C'était terrible comme dilemme. C'était terrible comme dilemme. Les gars, c'est bon, je prends une rabadon cette game. Attends, qu'est-ce que tu fais, Tristana? Elle kite bien en vrai, hein. Elle y est arrivée hein, quand même. Elle y est arrivée, hein, j'y croyais pas. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas si on peut cancel la ligne du Q avec. Peut-être que j'aurais pu Q. Je m'en rends pas compte. En fait, la ligne semble longue, mais en fait, elle a l'air très courte. Ok, demi-tour. Oh, le R niveau 2. Avec le flash. On va commencer à s'exprimer, les gars. Ouh, la petite botlane là, je te vois. Regardez-moi là. Prêt à trouver ma proie. Exit le scarabée? Non, exit le scorpion, les gars. Juste Yasuo. Il y avait un Yasuo dans la game, non? T'as Renekton, il passe pas une bonne game, hein. Que je one shot quelqu'un. Mais que c'est beau. Suis en 12-6 frérot. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, laissez-moi prendre les. Oh non, il a pris les râles. Ça a été trop roleplay. Un scorpion dans un autre scorpion. Du néant. Oh! Parfait. Oh, dommage. Je pensais qu'il allait choper le kill. En fait, il a cancel son auto-attaque avec un kiting sur le côté. Alors, les gars, j'ai 3400 gold. Je n'ai pas assez pour mettre Rabadon. Prends une tour, s'il te plaît. On est en 13-7. Oh, le champion est. Moi, je vous assure que j'attends les golds. Hein. J'attends 100 gold dans la base. Hein. Mais même, imaginez qu'il y a un smolder. En fait, dès que t'as des champions à dégâts AOE, c'est broken. Dès que t'as un champion qui peut faire certains dégâts de zone. Le truc est oméga broken. Et ce qui est très drôle, c'est que mon ultime a un ratio 1. Donc en fait, j'ai des dégâts. Regarde, ça fait du 1300 déjà de dégâts. Et tu prends pas contre le Luden, le Liandry qui fait des dégâts derrière. Donc c'est hyper intéressant. Et là, il faut savoir que je joue AP. Mais normalement, je suis plutôt quand même le jouer tanky. D'accord? Là, c'est vraiment essayer de vous montrer ce playstyle AP. Où j'ai 500 d'AP. Où j'ai un R qui fait du 750. Un Z qui fait du 570 et qui a 4 secondes de CD. Donc on est là pour imposer le respect concrètement. Elle fait mal la Tristana quand même. Hein. Oh si il te chase, oh mais c'est mon rêve. Hein. Oh non j'allais avoir le Z, dommage. Bon je one shot quasiment le mec. Mais je crois que j'ai loupé un sort, j'ai pas usé mon Q. Bon c'est pas grave. Bon Tristana normalement elle aura pas trop de problèmes à le tuer. Elle va juste jump in et le one shot. Lui il avait usé son ultime sur moi donc c'est fine. Je voudrais juste attendre mon ultime et essayer de mettre un bel ultime flashé sur quelqu'un. En fait je dois Z, ultime et re-Z. Et je peux tuer n'importe qui grâce à ça après. Wow c'est chelou qu'il meurt mais bon. On aurait ça à jouer. Il va se faire ulti Karthus. Ah il meurt avec le. Bon il meurt dans tous les cas. Wow tu prends cher, fais gaffe.
Allez, on prend le portail. Il faudrait qu'on arrive à jouer le Nashor petit à petit. On va attendre qu'il respawn. Je vais aller Shadow ma top lane et ça sera pixel. On peut le jouer à 3 ou pas? C'est bizarre qu'il TP là-bas, non? Je décale cette pink. Bon allez, no counterplay. Mec, c'est fou la boucle que je peux faire. Ok, j'ai un kill à prendre là-bas. Je pense qu'elle me tue en V1. Parce qu'elle est quand même en 8-2. Je sais où elle est. Même pas. Là, on m'a pas vu, les gars. Là, on ne m'a pas vu. Et si on m'a pas vu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais gentiment back. Je vais me casser de cette lane. Les gars, je pouvais rien faire. Arrêtez. Arrêtez, je pouvais rien faire. Arrêtez, arrêtez. Je pouvais Mais les gars, je pouvais rien faire. Mec, normalement, je viens de tuer toute la team ennemie. Hein. Mec, normalement, je viens de tuer toute la team ennemie, hein, je précise. Mais bon, Tristana n'a pas voulu frapper. Hein. Champion de raciste. Voilà, je tiens à le dire. Ça vous dit on joue ça? Mec, je pense sincèrement que nous allons perdre la partie. On fait que de jouer des kills. Tu l'as vu regarder mourir les yeux. Bah lui aussi après il m'a regardé, il le fait frérot, s'il te plaît. Je fais désolé. Y'a rien, je vois pas. Personne veut jouer ça genre. Parfait. Ah, ça marche avec la jungle. Où ça? Les dégâts du R. Oh, les dégâts du R. Oh, ils sont beaux. Si elle tue, on a gagné. Oh, beau flash, GG. Faut qu'il TP sur le CS. Voilà, parfait. Et va bien jouer. Oh, le greffe, je lui ai appris le respect. Attends, bon, attends, il y avait un monde où Pike tuait tout le monde. Frérot, il y a vraiment un monde où Pike tuait tout le monde. Oh, cette game! Oh, mec, elle était belle! Elle était si belle cette partie. Oh, il y avait tellement de création de jeu. J'ai tellement défoncé tout le monde sur plein de trucs. Ah, c'était vachement clean. Hein. Donc on voit vraiment une game, tu vois, où t'arrives vraiment à stomper avec le pic. C'était très clean. Imaginez, j'ai pas tous les honneurs. Tristana, elle a très bien joué quand même la partie. Hein. Là-dessus, on n'aura rien à dire. Elle a très bien joué la game, elle a très bien kite, elle s'est très bien positionnée. Et c'est d'ailleurs, c'est elle qui a le top de match, et c'est elle qui a reçu toutes les honneurs, et j'ai reçu aucune honneur. C'est pas grave. No sense. No sense got zéro honor. Mais bon,
C'est pas grave, on est en 16-10, on a fait 31 000 dégâts, on est deuxième top dégâts de la game. Très bien. Ah oui, troisième. Vu qu'il y a Karthus aussi. Ouais, mais Karthus, c'est un peu frauduleux. Alors que j'ai un champion qui sait que jouer sur le burst. Donc voilà un peu le potentiel du champion. Game émeraude, game diamant à peu près. Entraîne-toi Je dur, vous montrer petit un peu tout ce pauvre. que vous pouvez créer avec le pick. Et on peut vraiment créer des dingues, d'accord? On est parti sur une game qui semble être assez intéressante. On va partir sur une game Skarner AP support. Le nouveau build qu'on a créé avec la nouvelle partie du champion, c'est Omega Broken. Et on va vous montrer pourquoi. Donc tout d'abord, petite quête d'or, comme on fait plaisir. Avec la quête d'or, on va aller chercher un truc qui est vraiment broken et qui est hyper intéressant. C'est le Zac-Zac. Parce que comme je vous dis, on joue AP, mais en fait, dans cette AP, on va jouer quand même un peu tanky. Parce que les items AP dans League of Legends donnent pas mal de tankiness au fur et à mesure. D'accord? On va essayer de chercher de la CDR. Et vous pensez qu'on va jouer AP en jouant sur le Q, bien sûr, avec des dégâts en pourcentage, avec une grande portée? Pas du tout. D'accord? On va totalement jouer avec le Z. Parce que le Z, j'ai toute cette AOE là qui est présente, qui est un ulti du nu que je peux à peu près activer. Bah, toutes les 10 secondes en fin de game, toutes les 4 secondes. Toutes les 4 secondes, j'ai un ulti nunu ratio 80% que je peux activer et que je peux spammer en teamfight. Mon but est donc d'arriver dans le fight, l'utiliser, de repartir, d'arriver dans le fight, réutiliser. Et comme ça, de faire des petits all-in, go-out, all-in, go-out. Et d'arriver à grappiller les champions petit à petit. Et si j'ai une belle engage, caler un bel ultime, caler mon Z en plus qui va proc sur les 3. Et je vais sans doute être le top dégâts de ma game. Sauf si Samira ou Akali, elle se retrouve en 800-0. Ce qui peut être possible grâce à mon pick. Voici la théorie. On va voir maintenant dans la pratique qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce que ça donne. On a un champion qui va créer énormément de push, donc qui va pouvoir se permettre de facilement décaler. Bah oui, vu que je spam un ulti nunu en lane et que j'ai des coups de mana très faibles, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire que je vais pouvoir me permettre de tout simplement avancer là, user mon sort. On en touche un. Et on va faire ça en boucle. Le coup de mana est faible, ça me permet de proc mon ruban de mana. Et je vais continuer sur cette logique. Et on va aller stomp. Donc, bonne école, attendre le ruban de mana. C'est ce que je vais faire. Et maintenant je vais m'avancer. Et on va faire ça en boucle. Ah, ils vont péter un câble. Le gameplay est débilos. Donc là au début on a qu'un spell niveau 1, on n'a pas level up. C'est drôle quand même. Imagine peut-être finir ça genre avec une Nami, tu sais, qui te booste. Et en plus ça met un shield pour turn. Et la puissance elle est aussi totalement là. Au début je vais perdre beaucoup de mana, hein, vous imaginez bien. Le temps de stacker mon ruban de mana, le temps d'avoir un item qui me donne de la mana aussi. On prend le caillou. On lâche le caillou. Caillou fait plus mal. Le caillou peut être loupé. J'ai un shield, qu'est-ce que tu vas faire? On va reprendre le caillou quand on a le ruban de mana qui revient. Et on tire le caillou. Dommage. Strat que je peux vous donner, vous avez vu que j'ai beaucoup de dégâts d'AOE. Voilà. Et bah ce que je peux faire, c'est utiliser cette AOE avec mon Q. Si je touche une unité, c'est un peu comme un Q mantra de karma. C'est très puissant là-dessus. Bam! Et là, je vais bientôt pouvoir la packer. Donc, vraiment jouer tout le temps vers la droite, parce que j'ai cette capacité de packer les ennemis sur les walls qui peut être hyper intéressante. Faut juste qu'elle s'avance, y'a Zac là. On le ping air. Que je peux me permettre de one shot quelqu'un s'il fait le con. C'est possible. Zac est là-bas. J'ai vraiment trouvé une bonne opportunité. Oh, je l'ai pas eu. Oh, la Samira n'a pas frappé. Oh, c'est si dommage. Samira n'a pas frappé dans le fight. C'est lunaire en vrai. Vous l'avez vu? Bon, j'aurais pas pensé qu'elle ne voulait pas frapper, mais bon. C'est très spécial, hein. Elle avait. Mais en plus, elle stackait son Conqueror. Elle stackait son passif. Il y a moyen qu'elle fume tout le monde, hein. Ouais, le Blobo, ça a eu beaucoup de chat. Je pense que j'aurais pas dû user mon Q. En fait, j'ai un boost d'attaque speed quand j'ai mon Q attrapé sur moi. Et je l'ai utilisé énormément pour faire des dégâts à AoE, mais vu que j'ai des dégâts en pourcentage, les blocs ont pas beaucoup d'HP. Voilà, elle freeze, c'est très bien. Non, elle freeze pas.
Ok, on lui freeze, parfait. On arrive à lui donner la data. Hello le scarabée, yo fax. Et regardez, est-ce que là je suis pas maintenant un scarabée en vrai? Scarabée d'honneur. On est parti pour bien se mettre. On continue avec le Z. Donc là je fais 132 dégâts avec le spell. Je slow les ennemis et je gagne un shield. Donc là pour l'instant on a tout ce qu'on veut. On a tout pour être caviar. Le mois de mars, on a réussi l'objectif 60-40, oui. Donc toi, il faudrait que tu back un jour. Ce serait pas une très mauvaise option. On va push. On va push la prochaine wave. Je vais pas avancer. Moi, je veux juste push. Hein. Voilà, on push tout ça. Et je prends mon caillou, moi. Allez, dégage. Coup de caillou! Est-ce que j'ai une bonne décalmide là? Complexe, elle a créé un push. On va essayer de se décaler là-bas. Pour l'instant, vous avez vu, c'est une lane qui joue hyper safe. Vraiment, il recule. La Samira, je pense qu'elle n'a même pas. Je crois qu'elle n'a jamais frappé encore la team ennemie. Donc bon. Et si je prends mon caillou, normalement, j'ai plus d'attaque speed. Elle va mourir, ma pote. Lucky. On a eu les petites mids. C'est dommage. Elle a loupé son R, je crois, non? Ok, elle qui est au mid. Est-ce qu'il va essayer de flank la meuf au top? On va voir. J'ai l'impression que j'ai quand même une assez grosse hitbox pour choper ça. Je vais prendre la vision là pour avoir le Zac. Oh, elle a pas de mana. Attendez, oh, elle a pas de mana. Oh, le respect, je viens de lui apprendre. Le Drake va venir d'être joué, donc je vais redécaler là. Je vais juste prendre lui. Parfait. Et en maintenant, ça permet de stacker mon item. Et comme ça, j'aurai des débuts de ward au moins. Lui, il a pris la jungle en contrepartie. Il faudra juste que je sois présent pour les mid du néant. Et ce sera parfait. Je prends ma deuxième node AP des bots. Et là, vraiment, c'est le début de la création démoniaque. En lane, on n'a pas pu trop créer du jeu parce que malheureusement, on est sur un champion qui shield mon DPS. Et un autre qui joue hyper safe, un qui a pas beaucoup de range, un qui a beaucoup de range. Concrètement, bah, c'était un peu dur de s'exprimer. En plus qu'elle n'a pas trop joué le fight, un peu dur de s'exprimer. Mais moi, je pense quand même que là, regardez, elle est passée niveau 6. Je vais passer sur le côté. Je vais attraper quelqu'un. Je vais lui briser les os. Et on va être pas mal. On va leur briser les os. Je ping que je suis en train d'arriver. Je passe là. Et là, on arrive. Prends-toi mon caillou, voilà. Je vous ai dit, on va aller choper sur le côté. Et il y a un bull comme ça en fait, vous jouez la vision ici. J'ai fait un peu de dégâts avant de mourir. Bon, la Kali, elle met même pas d'auto-attaque, hein, ça fait chier. Ok. Larry a vraiment bien attendu avant d'user ses sorts, elle a très bien joué là-dessus. Je vais commencer à prendre de la CDR. Et nous, on va essayer de jouer les mythes du néant. J'ai pas mon 6 malheureusement, on va ping ça se spot dans 50 secondes. Ouh, elle s'est pris. Putain, elle touche bien ses sorts là, Harry. Elle est en 4-0. Alors, faut jouer ça. Petit farming, parfait. Là, on va prendre ça. Est-ce qu'il va commencer à venir l'autre con? Est-ce qu'on a pas une décale là-bas aussi? Il back, ouais, il devrait venir à pied malheureusement. Pas forcément hyper bien joué de sa part. La Poppy, elle a beaucoup d'HP ou pas? Non. Tu peux lui mettre juste une auto? Back vite, exit. Oh putain! C'était maîtrisé, les gars. Tout était maîtrisé. C'est fait par des professionnels, vous en faites pas. Oh, il a survécu. Ouais, j'ai survécu. Ouais. Il a besoin d'aide là. Hein. Ouais, défonce-le. Hein. T'aurais pu le R pour le cancel aussi, ça aurait été intéressant. Putain, ça en est fait voler. Hein. Trade kill au mid. Ok, lui aussi il meurt. Je vais push le mid rapidement pour faire crash la wave. Bon, même pas besoin de moi. On va le décaler là-bas. Donc, normalement, si je charge, quand je stun la personne avec la charge, ou même si je la stun pas, je crois que je peux instant R.
Ah oui, bah mets-toi encore plus de trucs. Voilà, c'est quel kill. Comment elle a perdu autant d'HP avant le fight? J'ai pas compris ça. Mon ADC avait genre tellement perdu d'HP avant le fight. Entraîne-toi dur, petit pauvre. Merci Brazil. Merci pour ton follow, Nox adorable. On va ping le Drake qui va spawn en 30 secondes qu'on va pouvoir se permettre de jouer. Donc moi quand je R, il faut vraiment que j'arrive à les pull instant out. Je peux avoir un beau CC, faut pas qu'elle se montre. Montre-toi pas s'il te plaît. Ouais, dommage. Ok, plus de summoner. Ouah, c'est ward là. On peut rien faire, on peut rien faire. Merci pour ton sub. Merci à toi, Brazil. Merci pour ton prime. Tu gères? Tu gères de ouf. Ouais, faut que j'esquive. Bah, mec, aide-moi. Aide-moi. Oh, elle a misé son combo, putain. Oh, mec, oh, elle avait tellement un free kill. Par contre, mec, le R, c'est frauduleux ce que ça a fait. Ça grappe de tellement loin. On peut en parler ou pas que ça grappe de tellement loin, mon R? Putain, elle tempo mon poke, c'est chiant. Ouais, allez, bonne journée à tous, fut un plaisir. Oh, ils sont fait défoncer la gueule. Hein. La Akali a pas décalé malheureusement, parce que je lui ai ping. Un peu chiant, mais bon, est-ce que j'ai la range pour le voler? Non, j'aurais pas. On va reward ici et je vais reculer. Il manque 50 gold pour mon item, je vais récupérer ça. J'ai même pas les dégâts, non? Pourquoi j'arrive pas à frapper le petit derrière? Parfait. Oh, il est glitché, regardez. What? Oh, la strat. Oh, la strat de dingue. Allez, on va back. J'ai mon Luden. Je vais commencer à m'exprimer. On a des kills quand même. On arrive un peu à s'exprimer. J'ai bientôt mon combo qui va arriver en place. Et on va pouvoir faire des trucs de dingue, je pense. Je pense que je peux mettre mid-life facilement les 3 mecs. Et si j'ai un follow Samira, on peut one-shot 3 mecs rien qu'avec moi. Va falloir jouer ça. Il est tout le temps dans le mauvais passing dans cette jungle. Mec, on a joué 5 mid, on va prendre l'Herald s'il te plaît, non? Putain, elle est niveau 11 au mid. Je suis niveau 6, elle est niveau 11. Est-ce que je suis censé avoir peur? Je pense que oui. Je vais prendre mon caillou parce que j'ai plus d'attack speed avec mon caillou dans les mains. Alors, l'Herald est retourné, je pense qu'il y a quelqu'un. Merci, c'est drôle. Qu'est-ce que t'aimes bien comme contenu sur mon YouTube? Attends, j'arrive pas à poser la ward. Mais. Voilà. Elle est complexe à caler. Je peux me permettre de redécaler là. Il y a des gens là. Comment elle va pouvoir caler mon Z? Petit side step, très joli de ma part. Tu voles son âme? Parfait. Non, Akali! Je lui ai donné des free trucs! Mec, mon R était magnifique. Non, s'il te plaît, tuez-les. Voilà, voilà, merci. Il a oui, qu'est-ce que tu fais? Reviens. Oh, mon R était si clean. Ok. Parce que là, je fais une petite pause de YouTube, mais je suis en train de vous préparer plein de contenu en sneaky derrière, sur du tip, de l'astuce, etc. Et ça arrivera petit à petit, hein, mais juste je fais ma petite pause YouTube, je fais mon petit contenu sur le côté, et let's go, après ça sera parti. J'aime bien prendre de l'avance. On peut jouer Herald?
sais que mon R il a pas tant de CD que ça, hein. Ouais, j'arrive à récupérer ça. Il faut jouer ça, hein. Bah merci. Ouais, ciao, bonjour à tous. En vrai, pour se casser comme ça, c'est beaucoup trop drôle. Yo, pandémie, tiens, mange 3 ans de bouche. Oh, putain, 3 ans. Oh, il est démoniaque, ce pandémie. Allez, couchez, toi. Prends-toi mes bastos, là. Il faudrait jouer, là, en vrai. Là, go jouer ça. Ah, TP ou pas, l'autre? Après, le problème, c'est que Jinx aura la reset. Un gros merci pour pandémie. Tu gères de ouf, BG. Putain, elle me chope quand même. What? Ah, c'est complexe à bien jouer. Putain, lui, il a loupé son R. Les Karim, il a chopé la meuf derrière normalement. Il va arriver à choper elle aussi. Il y aura pas trop de problèmes là-dessus. Hein. C'est une Jinx, c'est gratuit. Elle va la R. Maintenant, faut fumer elle. Tu vas la voir normalement. Dommage, il est pas arrivé à cast. La Kali qui reste derrière. La Kali qui va trouver un kill là-dessus. La Kali qui pourrait continuer. La Samira qui n'a pas toujours frappé, encore frappé dans le fight. Est-ce qu'elle va arriver à mettre une frappe? Peut-être. Peut-être, le jump. Ah, elle a fait un dash. Ah, elle a mis. Elle a même pas eu d'assist. Allez, viens jouer. Ça prend trop de temps, on peut pas le faire. Voilà, parfait. Je me. Forcément, c'est à tester les nouveaux Skarner support. C'est pas trop lent pour efficace sur le laning. Je pense que la best way de Skarner, c'est de le jouer tanky. D'accord? Mais vous savez, moi j'aime bien toujours faire des choses un peu plus excentriques. Arrête de me ping. Tu veux que je fasse quoi? Regarde. T'as cru que je vais faire quoi? Je vais le commencer tout seul? Non, regarde, je vais juste prendre de la vision. Et après, je vais vous rejoindre. On a le temps, il y a encore personne. Mais merci à toi, Pandémie, ça drop. Les petits level up qui passent. Regardez, je vais juste de l'autre côté et je prends ton Z. Oh le R! Oh, elle m'a cancel. Oh, le flash in R si fort! Au coucher, toi! Oh, le flash in R, frérot! Mec, c'est beaucoup trop fort contre les carry. Bon, allez, on part, on y retourne. Ouais, ok. Il y a une TP et tout, les gars, on va pas faire les cons. Mais tu vois pas, t'as pas vu la TP, toi? Oh, le con. Alors, allez, où est Liandry pour les HP maintenant? Prenons un petit Liandry. Pink, on est parti là. Wow. Parfait. C'est une ranked? Bah bien sûr. Bien sûr que c'est une ranked. Oh. C'est qui va bientôt avoir son R? Le Z, s'il te plaît, le Z. Oh, dommage. Dommage que la... Bon, mec, mais c'est bien fait, frérot. Enfin, frérot. Dis-moi que le pick up est pas broken. Je cale un R à 350 sur 3 personnes. Je regale un truc. Je te fais 1800 de dégâts instant. Allez, maintenant, la soirée pour moi. De rien, les gars. Oh là là. Ce R était joli, hein. Dommage que je suis pas arrivé à reprendre le petit Z à la fin. Ça aurait été magnifique, mais bon. Ils vont arriver à le jouer, là, quand même. Attends, et malgré, tu vois, le fait que j'ai l'ADC le plus boosté du serveur, ça passe. Alors moi, j'aimerais juste prendre le push, c'est un peu greedy de ma part. Comment push avec Skarner? Je vais me permettre de prendre mon back. J'aurai mon ultime. Oh, l'ultime rend 2 plus 100 de dégâts, en vrai, j'aime bien. Combien de CDR? J'arrive à 1 minute de CD et 4 secondes sur le Z qui me donne 200 de shield, 360 de dégâts. Et qui va proc le Luden, le Zac, le Liandry et ma rune Comet.
Et tu peux prendre aussi le Kukuba, enfin c'est. Non, c'est une dingue, les gars, c'est une dingue. Elle arrive à la tuer? Parfait. Alors moi j'aimerais bien qu'Ikari me vienne sur ce timing. J'ai pas envie de le R. Je fais le slow. Puis je proc le Z. Parfait. Là je vais flong sur le côté, vous allez comprendre pourquoi. C'est ce move qui va carry. Petite Janna qui fait la conne, tu vois. Ouah bah attends mec, enfin on joue pas au même jeu après. Je pense qu'elle va te R. Hein. Ok, on va commencer à s'exprimer. Est-ce qu'on continue? Tu sais qu'on pourrait continuer. Hein. La wave qu'on a, on peut totalement continuer et finir la game. Bon bah, on va respecter ça. J'ai mon... Non, je l'ai pas. On traverse toute la jungle. C'est quand même très drôle que je joue Kayn, mais en fait, je joue Scanner. Il me faudrait juste récupérer tout le farming et ce serait parfait. Oh, tais-toi. Je suis Kimping. Je vais juste tirer des petites bastos là. Bim! Couché! Oh les gars, j'ai envie de grid là, j'ai envie de grid! Regarde comme ça fait la pauvre! Je la vise même pas, elle prend des dégâts. Je vais juste caler un bon tiers flashé. Oh, je l'ai tanké. Même pas fait exprès. Alors là, ça doit être ward. Ok, c'est déwardé. On va essayer de push. On a plus le buff Nash, malheureusement. On peut cut au top. On peut totalement cut au top, les gars. Y'a pas Ekarim. Y'a personne, n'en faites pas. Merci pour les mobs. Ok, on va frapper ça. Moi j'ai mon air flashé. Je t'allonge juste d'avoir une belle opportunité. Est-ce que je peux plante air flashé? Ouais. Plante. Je zone. Ok, non. En fait, le problème c'est qu'Ikarim et Akali ont reculé sur ce timing. Bon, on va se retrouver là. Allez. On prend le Q pour attaque speed. Par contre, wow, c'est comme ça défonce les tourelles quand t'apprends, quand tu chopes ton Q. J'aurais pas pensé. Venez la moi. Venez à moi. Je suis Scarner, dieu d'Ishtal. Bon les gars, vous ne pouvez pas jouer à DC en fait, contre Scarner. Viens à moi, Poppy. Couché. Petite danse. Hop là. Tout, tout, tout. Petite danse. C'est exactement la même danse, sachez-le, c'est exactement la même danse. En vrai, en fait, si j'ai mon R et mon flash, l'ADC ennemi ne peut plus jouer au jeu. Genre, mais vraiment, c'est ce qui vient de se passer, genre. L'ADC ennemi, en fait, je le one-shot. Donc en vrai, c'est terrible pour lui, en plus, je le ramène dans le fight. Et en plus, j'ai fait des dégâts de zone, vu que j'ai proqué le Z. Alors si jamais, j'ai quasiment les doubles des dégâts de mon AD carry. Bon. Un peu dommage, j'ai pas trop arrivé à m'exprimer durant la game, non plus. T'as vu, je suis à 16k damage. Mais le problème c'est que je n'ai pas jamais pu frapper en lane. J'ai pu faire mes 2000 premiers dégâts en laning phase. Après vous avez vu, je pouvais plus me permettre de frapper. Ma Samira était tellement en retard dans la partie, elle jouait tellement pas au jeu que j'étais obligé de beaucoup de décaler. Et ces décals ont apporté un gros bonus en fait dans la game. Ma pressure mine, ma pressure top, mon jeu avec le Karim qui a permis de le feed, c'était pixel en vrai.
Alors on est parti sur la deuxième game de Skarner Support. Build AP, niveau rune, comète, ruban de mana, concentration lointaine, brûlure, coup bas et chasseur ultime. On est là pour avoir beaucoup de poke, de la bonne système de mana. Le poke, on va l'avoir avec coup bas, ruban de mana, brûlure et comète. Et la CDR ultime, on va l'avoir bien sûr avec la petite chasseur ultime qui va nous donner pas mal de value. Notre but, c'est de poke pas mal en lane. Pas de bol, on a forcément un trash, ça nous fait un peu chier. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on arrive un peu à les bully. Donc on va voir un peu comment ça va se passer. On a le petit Skarner, on up le Z, puis un point dans le Q. Parce que comme vous voyez, on gagne que 10 points par level up dans le Q. Et c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Petite hit, ça me donne de la mana. Parfait. Donc moi, je les prends qu'une fois le ruban de mana. Moi, je suis heureux, hein, d'accord? Petit Z instantanément, en plus le Z, donc, prend qu'un slow. Donc ce qui est beaucoup trop fort. Le slow passera à 40% et 6 secondes de CD, non. Elle solo totalement, hein, you solo. Alors ça c'est une règle dans League of Legends qu'il faut comprendre. Les jungles n'ont pas besoin de pool. Faut arrêter, hein. Genre vous n'avez pas besoin de pool, point barre. Alors tu préfères que ta botlane se fasse tuer et que tu perdes une win condition jinxed? Ou que tu préfères qu'on arrive à tuer la botlane possiblement et que tu n'as pas besoin d'aide? Ah bah regardez, par auto-attaque, il reprend tous mes HP. Non, c'est pas grave si t'as 5 secondes de retard dans ton passing jungle. Évite de trop push. Voilà, doucement. Ok, j'essaie juste de les poke avec le Z. Vous avez vu qu'il faut vraiment que les adversaires commencent à avancer. Skarner, vous pouvez le jouer en sup, jungle et top lane normalement. Mid lane, peut-être possible en AP, mais que sur des matchups mêlés, je dirais. Parfait. Oh, je suis en train de le bully, vous avez vu? Full bullying. Je me suis réavancé pour prendre la transition niveau 2 avec mon Z. Et je me suis trop bien. Donc moi j'attends vraiment le stacking de mon ruban de mana. Tout se joue sur ma rune, d'accord? Donc j'essaie de vraiment faire un truc très propre par rapport à ma rune. Bon, le magnifique gang de nos alliés. Alors moi, je vais faire un petit tour là. Petit décalage là. Dommage. Ombrière est un peu AFK. Un peu Jash, elle a le kill normalement. Parfait. Je suis en 1-0, je crois qu'il y a un jungle juste derrière. Je vais prendre le E, je vais run. Voilà. On a fait du 2 pour 2, malheureusement. Briard a vraiment fait un gank à la con, genre. Dans tous les cas, la Jinx, on peut pas trop l'atteindre. Le Thresh était vraiment out pause. Et en fait, il y a la logique que si tu focuses la Jinx en bot lane dans League of Legends, moi je vais start Luden d'ailleurs. Si tu focuses Jinx en prio sur League of Legends, il y a un problème. Vu que tu joues contre un Thresh, le Thresh va juste mettre la lanterne, va pouvoir le pull, et t'es totalement niqué. Donc c'est pour ça que c'est très mal joué ça. Retour en line, on utilise le petit E et on est bien. Moi je suis un char d'assaut les gars. Petit kill, on est en 3-2, je suis en 1-0, je suis plutôt bien. On a le jungle ennemi s'est fait tuer, on a information sur le mid. On est en pur 1v1, il y a une ward ici que je ping. Je vais me décaler sur le côté, je vais tirer mon rocher. Dommage, je visais plutôt le truc à droite. Allez, ciao. Le petit passing sur le côté, hein, on aime ça. Parfait, on gagne les gold, on continue à stack la ruban de mana. Dans tous les cas, là, mon but, c'est quand même de pas mal stacker. Je vais juste poser une ward là, on va jouer ça. Tu me la prends? Tu veux pas? Ok, je la prends. Prends le caillou, 3, 2, 1, bam! Z niveau 2. Ok, Alakis, elle joue vraiment safe. Je pensais pas qu'elle aurait joué aussi safe. Elle a vraiment vraiment très peur.
s'est fait tuer au mid. Non, il a back. Il a pas back sur le bon timing, lui, par contre. Hein, putain. Et ça, on pouvait pas trop se permettre de concede. On a les trois là. En fait, soit on se permettait de burst le Viego quand j'ai engage. Mais en fait, elle a hésité 4 fois. Elle hésite énormément, malheureusement. Bon, happened. On va essayer de créer encore un peu de poke. Oh, ça passe pas, dommage. Ça touche. J'ai. Ok, est-ce que je vais arriver à caler un Z? J'ai peur que le mec me décale dessus. Mais non, j'ai le kill, je pense. Avec mon Z Ignite. Voilà, parfait. Ça touche pas, on va push. Bah, je vais tout set up, je lui ai pris ça. Et là, je vais commencer à back, je vais prendre des bots, je vais commencer à beaucoup roamer. Donc là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où j'arrive à comprendre qu'en lane, je peux pas trop jouer. Il y a les pyromasheurs, il y a Thresh qui a du burst, Kaisa n'a pas de follow. Alors là, il faut genre définir que je peux me permettre de décaler sur la carte. Cette décale sur la carte, elle va passer par deux choses. Non, ils sont bien. Non, elle le tue, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Elle dash en 2, 1. Ok, parfait, ils l'ont utilisé au même moment. Peut-être que j'ai une décale top à jouer. C'est en fait se dire que, bah, pourquoi rester au bot alors qu'il ne peut rien se passer? Et avoir de l'impact sur la carte, ça va vraiment être le but que je recherche avec mon champion. Alors, est-ce qu'on va pouvoir se permettre de la die? Je pouvais pas passer. J'ai hésité. J'aurais pas dû. Bon, exécuter, elle meurt. Voilà. Bon, j'ai pas très bien joué le fight. En fait, vous avez vu, j'ai hésité zigzag parce que si je faisais un plus grand tour, j'avais peur que j'arrive pas à la choper. Bon, c'était un peu con de ma part, dans tout le cas, je me fais exécuter, on chope le kill, ça me permet d'avoir un fast back, ça me met très très bien sur le move. Au bot, il arrive à faire quelque chose en contrepartie. La brillard, elle peut encore engage, elle peut pas le faire, lui, il survit. Le move est broken, hein. Exécuté avec crashing wave sous la tour, lui, ça le met bien encore un peu plus feed. Le move est god tier, mais tellement mal exécuté que ça me fait peut-être un peu mal au cœur, tu vois. Mais bon, c'est comme si j'étais en 1-0-2. Pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai participé à quasiment 50% des kills de la team sans mourir. C'est ce qu'on cherche concrètement. Donc regarde, je vais récupérer mon caillou pour avoir un peu plus d'attack speed. Je vais le tirer avant de finir pour essayer de zoner. Et là, je suis bien. Je vais choper ça. On aura ça dans 1 minute 20 à jouer. Je vais juste push la prochaine wave avec mon Z. Et quand je vais avoir mon 6, je vais commencer à pouvoir discuter. Bien essayé, coach. Alors pourquoi elle fuit autant? Putain, elle a vraiment peur. Hein. Tu veux pas qu'on reclear cette wave? Merci pour le farming. On va ping le SS. Ça risque de décaler. Faut que je récupère mon niveau 6. Faut que je commence à décaler là-bas. Mon 6, je pourrais peut-être le choper au mid s'il push pas la wave. Donc je vais commencer à me passer là. Faut pas qu'il push. Non, s'il te plaît. Putain, fais chier. J'avais mon item support en plus. Je ward là. On va se permettre de se décaler top. Là, il semble un peu bête. Il faut que j'arrive à la choper. Niveau range, j'ai quoi comme range? Ok, on est bon. Ok, on va jouer ça. J'ai mon ultime. Et qu'est-ce que tu vas faire, Diego? Allez, coucher. TZ, ça va tout clear. Bam bam bam. Putain, la vitesse de clear quand même là-dessus. Hyper intéressante. Hein. Pas ouf la meuf, mais bon. Oh merde. Ok, je pensais pas. Bon, close, hein, c'est dommage. Fizz un peu AFK. J'ai vraiment fait beaucoup de dégâts. On a pas eu assez de follow-up. Le R qui touche, go toi. Bah, il le one shot, pourquoi il le tue pas? Je comprends pas. Bon, ils sont un peu hésitants dans mon équipe. Go là, hein. Fizz, non? Bah, parfait, il l'a normalement. Non, il l'a pas? Ok, Carla.
Oh, j'ai ping le Caire. Voilà, plaquage. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je vais t'aider à push. Putain, le pauvre, le plaquage que je viens de lui mettre. Oh, ça l'a calmé. Hein. Bon, on est en 2-1-2. On a pas mal roam, on a l'ultime. J'ai fait beaucoup de dégâts sur tous, c'est un peu dommage. Là, ce qui serait trop bien, c'est que c'est un champion avec moi qui a des dégâts de zone. C'est vraiment le pur kiff si j'ai ça, mais bon, faut pas tout avoir. J'ai remonté mon ultime, je vais pouvoir me permettre de décaler. Waouh, il fait mal. Attends, il fait hyper mal en fait, c'est pas qu'il fait juste mal. Ok, j'ai mon ultime, j'ai pas mon flash. Et moi je me taille très loin. J'ai bientôt mon item, j'ai mon item, parfait. On va avoir pas mal de burst, ça va être intéressant. Allez go. On va pinker ça, dans tout cas elle se débrouille toujours niveau farming. Faut que je crée du jeu autre part, j'ai mon flash in air. Donc en team fight, si j'arrive à flash in air, la Jinx, normalement on gagne tous les fights. Parce que Jinx est la win condition ennemi avec son reset. Et ça va vraiment bien nous mettre. Donc là on va avoir Herald à jouer. Le respect, c'est moi qui vous le donne. Oh, le plaquage que j'ai mis. Le plaquage que j'ai mis pour caler le R de l'autre côté, c'était beau. En vrai, tu peux un peu rien faire quand je les bully comme ça. Ils sont un peu niqués, hein. Parfait. Magnifique. On a la tourelle, je vais re-reset. J'aimerais bien prendre des bottes de peiné, je sais pas si ça va être possible pour l'instant. Et ça va être parfait. T'as le playstyle, la Skarner support. Je pense que la Jinx, j'arrive à la soirée. En fait, ce qui est bien, c'est que je peux me permettre de 50% 3 personnes et de les CC. Ce qui fait que ma team, elle follow up hyper simple sur ces jeux champions. D'accord, je suis en train d'arriver là. Regardez, je viens de one shot la décarie ennemie. Ah, je vous assure que je continue. Dommage. Putain, c'est vraiment, ça, c'était vraiment très close. Hein. Bon, je flash ça. Je sais pas ce qu'ils font tous là. Putain, vous avez vu, j'ai quasiment one shot la Jinx. Sans l'ultime. Je précise que je n'ai pas utilisé l'ultime sur la Jinx. Et là, c'est vraiment la puissance du pic dans cette situation. Ça permet vraiment de faire des dingues, quoi. On va prendre les bottes de peiné, hein. On veut toujours plus de dégâts. Hein. Donc on est en 2-1-5, théoriquement. Ce qui est plutôt un très bon scoring. On a permis de participer à 7 des kills, quasiment 50% des kills de notre équipe. Et ça, c'est tout ce qu'on cherche. Je vais me repositionner ici. Je vais jouer avec la soul devant pour pouvoir me déplacer plus vite. Je vais commencer à aller là, ils vont avoir le kill là-dessus. Est-ce qu'ils vont continuer? Oui. Je les one shot. Si ça c'est pas beau chat, on me dit ce que c'est. Allez, prends ton farming. Et on a la tourelle. On va essayer de cut peut-être là, prendre de la vision. Donc j'ai la plante pour pouvoir être safe. On a ça qui est up, on voudra jouer le prochain Drake. Peut-être qu'on a un cut. Oh là là. Elle passe ma strat ou pas? C'est
Tu sais qu'elle aurait jump dès le début, ce serait passé. En fait, je voulais me casser, mais en fait, j'ai chopé le trèche d'une part avec mon dash. Et que de l'autre côté, je pensais qu'elle allait me follow, mais en fait, je suis con, genre. Depuis le début de la game, on sait qu'elle follow rien, d'accord? On va rien pouvoir jouer avec elle. J'ai mis les deux mecs mid life instantanément. Elle juste attaqué son jump, parce qu'en plus, elle avait les marques d'ultime dessus, hein. Juste attaqué son jump. Elle était caviar, hein. Elle chopait le double kill. Ça lui permettait de revenir dans la game. Bon, happened. Ah, mais la Kai'Sa, mais elle dort, 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 dort. La Kai'Sa est dans un autre univers. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des games Skarner support, mon ADC, c'est genre un bot. Mais vraiment. Parce que là, le mec, enfin. Juste, tu mets n'importe quel champion. Petit demi-tour. Moi qui ai le kill. Votre tourelle a été détruite. Ouais, bim, touché. Allez, je me casse. Hop là. J'ai pas encore mon item, ils vont jouer la tourelle au bot. Je vais utiliser ce boost pour me passer là, avoir l'information sur la pink là. Gagner mes 5 gold. Ah, ils ont du mal à frapper, hein. Alors moi là-bas, je voulais que vous pétiez la tourelle. Voilà, parfait. Le die qui permet de faire le double kill. Bon, les gars, pour l'instant, on a participé à 11 des kills. C'est très beau ce qu'on fait. Le follow-up, il a toujours du mal, la Kai'Sa. Il a vraiment du mal niveau burst, niveau combo de sort. Bon. C'est pas non plus si grave, hein, on fait avec. Le Z qui fait 300 de dégâts, qui fait le proc du Zagzag, qui fait le proc du Luden, qui fait le proc de la comète, qui fait le proc de la brûlure, qui fait le proc du Kuba. Pouh! Qui fait le proc du déguisement D. Prenez mes Z. Parce qu'on a là, on est là pour montrer des builds un peu différents. Tout le monde va le jouer tant qu'on vous montre qu'en AP, il est aussi tout à fait broken. Et vous pouvez totalement vous permettre de monter avec ce champion en AP. Frauduleux. Tu peux pas la récupérer? Ok, moi je la récupère. Ulti dans 3 secondes. Alors là, j'ai mon flash in air. Regardez, je presse R. Ils peuvent plus jouer. Aïe! Dommage. Oh, la Kai'Sa qui a fait son premier avec son Q! Elle a fait 200 de dégâts dans le fight! Putain, c'est tout ce que j'attendais. Ou les pyromachars, ils sont pas très bien positionnés. Petit kill derrière, je regagne une assist. Voilà, je suis ligne droite, hein, vous êtes bien. Voilà, bande de champions. Est-ce qu'on pourrait pas jouer ça? Il y a 3 mecs morts à 30 secondes. Jouons le Lashor. Jouons le Lashor. Pourquoi Briard? Qu'est-ce que t'attends? Ça fait longtemps que t'es quand même là, toi, non? Comme quoi, les gars, un item c'est plus rentable qu'un Ashor. Un item c'est plus rentable qu'un Ashor, vous savez. Alors attendez, acheter son item, pas de value. Acheter un Ashor, une value? Non, impossible. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Bon, je vais fermer un peu, moi. Il faudrait que je chope mon niveau 11. Je vais back pour prendre ma baguette explosive. Parce que comme ça, j'aurai un burst possible à 15% HP max. Into 800 sur les champions ennemis. Ça va pas être négligeable, quoi, ce petit 800 de dégâts sur les champions ennemis. Regardez, j'ai créé beaucoup de décals. On a permis de faire beaucoup de kills. Malheureusement, comme je vous dis, la Jinx, je pouvais pas l'atteindre. Donc je me suis cassé de la lane. Donc c'est un peu dommage. Donc là, il faut faire un choix. Normalement, on peut le rush. Hein. On va rusher là-haut. Merci, Bono. Merci pour ton follow. J'ai pas de dégâts au à la con, d'accord. Je commence à jouer là-haut. Parfait, maintenant je joue ça. Je rep mon Q. Des shields.
Alors, j'ai peur de l'ulti Jinx, moi. Bah ouais, y'a plus d'ulti Jinx. Si la vie n'est pas belle. Bah attends, mais il atteint smite à 1200, non? Pourquoi elle attend du 800 pour le smite? T'es une fraude, toi. Par contre, il va le finir, hein, Usdown. À part si t'as un giga R, on va le laisser, je pense. Je pense qu'on va le laisser. J'ai pas encore le Liandry, malheureusement. Tu connais le streamer Tava, bien sûr que oui. Pourquoi, Malek? On va step ça là. On va clear ça. Oh, les bons dégâts. Wouah, la Kaisa! Tu me fais rappeler lui, sérieux? Trop drôle. Je suis souvent en vocal avec ta voix. Alors, on va tirer un spell là. Comment faire? Les bons petits dégâts. J'ai pas le Liandry malheureusement encore. Il fait slow. On prend l'étoile sur le côté. J'ai le Liandry normalement, donc là on va back. Petit passing par là. Et on va back. Hop là. Bah là, je vais commencer à m'exprimer. J'ai vraiment flash, vraiment R. Et là normalement, en fait c'est à ce timing, 25 minutes de jeu, qu'avec Skarner, vous pouvez dire, on a gagné la game. Pourquoi on a gagné la game? Bah je vais vous montrer pourquoi. D'accord. On va faire un regroup. On va faire un regroup, d'accord. Et sur ce regroup, il va se faire passer un truc très drôle. On one shot les ranges. C'est concrètement, je vais flash in air. Je peux choper 3 personnes. Je fais 1400 de dégâts sur 3 personnes. En outre, j'ai gagné la game. J'aurais pu le R. Mais j'ai pas envie de faire un solo catch, vu qu'ils ont vraiment up mon ultime. Oh, il m'a volé mon âme. Bon, elle fait mal, hein. Ah, je peux avoir un bon timing. Eh, plus de vol d'âme, parfait. Je vais me casser. Putain, c'est très lent comme jeu. Ah, elle a R là-haut. Ok. Entraîne-toi dur, petit poro. Putain, mec, le setup est trop dur à avoir. Qu'est-ce que je dis qu'il est dur? Il est hyper simple! Caillou! Aïe! Oh le salope! Kaisa. Kaisa a touché un Z durant le fight. Ah, Kaisa qui vient de flash in dans le vide. Ah, ah Kaisa, dommage. On était à ça d'y arriver. Mais elle joue full AP, elle. Ah oui! Ah oui, c'est. Elle joue. Piou piou piou! D'accord, j'avais pas d'attaque, elle jouait piou piou piou. Caillou! Que vous connaissez pas la méta caillou? Un peu sus ces viewers quand même. Prenons une petite volonté cosmique. Mais vous savez moi ce qui va me faire peur? C'est imaginer, tu sais, Skarner 2v2v2 spam Z. Il le joue tank AP et il spam les Z. Bam 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 bam. Le champion va être colossalement puissant. Moi je veux juste caler un R et one shot une Jinx, c'est tout ce que je veux. Ouais, il fait mal hein. Bon, on va gagner la game GG. C'est greedy ce que je fais. Mais je veux du kill. On va devoir rejouer le Nashor. Si on veut gagner la game.
Bam. Ah, ils veulent die. Wow. Ok, elle l'a tiré d'une façon. Non. Ah, imagine le air proqué quand même. Ça aurait été magnifique. Ouh, ça va être très beau ce fight. Ouh, il va être très beau ce fight. Kaïsa a fait des dégâts. Elle a mis une auto-attaque. Sale pute. Regardez, on dirait qu'elle joue en Aram. Elle joue en Aram. C'est pas possible. Putain. Je vous assure qu'elle joue en Aram. Bah la R, non? R! Voilà, putain. Ah, elle voulait pas, hein. Tu te fais plus tôt, tu kills, tu pars. Hein. Le chemin le plus rapide, c'est la ligne droite. La ward n'était même pas dans le bush. Hein. On va aller là. Non, on va là, on va là, on va là. Oh, c'est quoi cette TP? Ouais. Il l'a? Ok, il l'a. Faut vraiment que j'attende mon flash et que j'arrive à trouver une opportunité avec mon flash. Et c'est là où je gagnerai la game. Si je trouve une opportunité avec mon flash, j'ai win la game. Dommage. Il va mourir? Ouais, il se fait grave. Je vais prendre de la vision tout autour. On a deux morts quand même. Merci pour ces red buffs. Je suis merde. Bah. J'ai pas regardé mon écran à vrai dire. Merci Memax pour le follow. Attendez, on peut la perdre. Attendez, j'ai pas du tout fait gaffe sur mon écran. Genre, dans ma tête en fait, c'était mon allié qui était à droite. Et je vois que le pseudo est rouge et je suis en mode. Comment ça il est rouge? Après je vais avoir mon power spike avec le R et le flash. Faut juste. En fait, le problème, c'est que j'ai. Il y a quoi? Il y a Thresh qui peut empêcher mon engage. Et le gros problème, c'est que il a Oi zoning avec son R et stacking de tentacules. Et qu'il y a surtout Vegar et Jinx avec la cage et les trappes. Et ça m'empêche de créer du jeu. Et ça, c'est vraiment ça qui est hyper complexe. C'est le match-up dès que vous avez des champions qui ont énormément de zoning. Comme bah, deux sorts qui sont quasiment les meilleurs sorts du jeu niveau zoning, qui sont les trappes de Jinx, qui sont la cage de Vegar. En fait, qui m'interdisent de jouer une zone, mais durant très longtemps. Hein. Tu veux pas y aller, Briard? Parfait. Comment il s'est déjà retrouvé là? Ah, ok, il s'est fait en terre. Tu sais, j'ai fait ma frérot, y'a pas de. Non? Bon, on va être trop bien. Bon, je veux juste caler mon flash R et je suis bien. Je me suis fait bodyblock par les creeps. Si j'ai un bon flash in air, on a gagné la game. Elle a chopé la L. Ok, on l'a même pas. On n'a pas de dégâts en fait. On attend. Oh, parfait. T'as la Jinx, c'est dommage, je l'ai pas eu de très peu. Est-ce que je reste avec eux et je grid? Parfait. Oh, les dégâts que j'ai mis. Alors, je suis AP, les gars, le spell est AD. Hein. Oh, tout dans le shield, ça c'est beau. Il y a un petit air qui m'est passé à côté là. Mama. J'ai glissé tout dans sa base. J'ai plus mon flash malheureusement. J'ai pas encore mon thème. C'est un timing où je dois prendre des élixirs là. C'est un timer élixir dans League of Legends. Il faut juste que Kaïsa tire des spells. Genre tu tires, tu prends la plante aussi, c'est une bonne chose. Et tu tires. Prends la plante aussi. La plante. Je vais lui prendre pour lui donner l'information. Parfait, touché. Il a eu ne rigole pas. Hein. La 3 items, frérot, elle m'a appris le respect il y a 2 secondes.
Allez, tu meurs. Parfait. Parfait. Dommage. Parfait. Elle a failli me tuer, dis-moi. Continuez à juste. Voilà. Dommage. On peut commencer à se casser, on aurait ça à jouer. Putain, cette game elle est. 37 minutes quand même, hein. Je comprends pas le but de Kaisa AP à vrai dire. Elle serait partie à aider, elle défoncerait toute la front lane. Et là elle s'amuse juste à grappiller un peu des HP. C'est pas très utile parce que bah ils se font grappiller des HP, ils retournent dans leur base, c'est à 2 mètres. Ils font ça en boucle. Donc en fait c'est un peu. Je vais pas dire KDA playing, mais tu sais c'est en mode juste un peu en mode déco, je fais des dégâts pour faire joli. Parce que ça ne sert à rien de frapper les adversaires ici, tu vois. Parce que quand tu vas les frapper, bah ils vont juste reculer, ils reviennent. Donc c'est des dégâts genre décoration. Parfait. Dommage. Elle vient par là! Allez! Meurs! Viens, je te plaque! Toi aussi! Voilà, voilà, voilà! Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, fou! C'était complexe, hein. Toi aussi! J'ai récupéré un petit Végard, les gars, sur le chemin. C'était un pur délice avant qu'il récupère une petite lanterne. C'était parfait. Bon, on va continuer les games avec le pic. Là, c'est un peu complexe parce que niveau drafting, vous avez vu que c'était pas non plus la lane phase. Ma Kaisa, bah, elle a préféré jouer 2 tours derrière moi à tirer des projectiles là comme un attardé. Je n'ai pas trop apprécié, concrètement. J'ai pas trop apprécié. Mais bon, happened, je fais avec. Et le Fizz a fait vraiment, Fizz et Udyr ont fait une très belle création de jeu. Et ça, c'est très agréable. Et en fait, je vous montre un peu le graphe de dégâts. C'est que genre que j'ai plus de dégâts que la Kaisa qui a fait que de faire des dégâts depuis le début de la game, à balancer des sorts. Et j'ai autant de dégâts que la Briard qui a 19 kills. Alors que je suis pas forcément un champion qui crée énormément de poke. Je suis plutôt sur du bursting, l'orange à faire un Z puis un R. Et si vous vous rendez compte que mon champion a énormément de dégâts. Surtout que tout ce poking de lane que je pouvais obtenir en gagnant 15k de poke en plus juste en restant en lane, et bah 5 minutes de jeu je me suis cassé, j'ai énormément roamé, et ce qui a permis grâce à ça d'arriver à feed bien la Briard, de mettre plutôt bien le Zac en lane phase, et ça c'est vachement cool.